Je vais vous demander un peu de silence. Très heureux de vous accueillir aussi nombreux, mais vraiment très 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 nombreux, pour cette inauguration de la salle Daniel Vielle. Le fait que vous soyez aussi nombreux montre combien Daniel était apprécié. Alors, cette inauguration va se faire avec plusieurs interventions. Tout d'abord, M. Gatchinet, qui est le président de l'AMFA. Ensuite, M. Vion-Delphin. M. Seigneur, après. Jean-Marie, je ne sais pas s'il pourra arriver. Jean-Marie Barre, qui est un collègue et qui aurait voulu dire quelques mots. Et je dirai quelques mots à la fin. Alors, je vous propose de donner la parole tout de suite à M. Gatchinet. Ah, M. Gatchinet, je vous cherche. Merci. Merci, M. le sénateur maire. Je voudrais d'abord vous accueillir, vous souhaiter la bienvenue à toutes et à tous, et vous remercier d'avoir bien voulu assister à cette inauguration. Je remercie la municipalité d'avoir attribué cette salle à Daniel Vielle, parce que automatiquement, ça rejaillit en partie sur l'association pour la mémoire des forges dont faisait partie Daniel. À ce sujet, il a œuvré en notre compagnie pour installer l'exposition actuelle dans la maison du patrimoine. Et malheureusement, il est décédé alors que nous étions en pleine activité, les projets étaient vastes et on n'a pas pu tenir ce qu'on avait promis. C'est dommage. En ce qui concerne Daniel, quand même, on a pu interroger, grâce à lui et à M. Seigneur, quelques anciens des forges, on les a interrogés et filmés, et on a essayé de garder ce document, on ne sait pas pour combien de temps, parce que Paris, ça se dégrade tout ça, on verra bien. Pour le moment, c'est en bon état. On a attribué à chaque participant un DVD, mais on n'en a pas mis en vente, parce qu'on a... ça fait partie du patrimoine de chacun. On passe ces documents lorsqu'on a des visites de groupe, mais on n'en vend pas. Par contre, ce qu'on vend, c'est le livre de Daniel Vielle. Et à ce sujet, je peux vous dire que l'AMFA, l'Association pour la mémoire des forges, en a quelques exemplaires. Si ça vous intéresse, on peut vous les vendre. Pour ça, vous adressez à mon épouse, Madame Gatchinet, qui se fera un plaisir. Si Madame Vielle pouvait venir à nos côtés. Elle est là. La famille. Gérard, vous le sentez. L'important que vous soyez avec nous dans ces moments-là. Alors, M. Vion-Delphin, voulait dire aussi quelques mots. Daniel Vielle est un homme qui a beaucoup compté à Audincourt. Il en était originaire, il a passé l'essentiel de sa vie ici, il s'est beaucoup investi dans quantité de domaines, y compris dans le patrimoine et l'histoire, on vient de vous le rappeler. Il était très attaché à cette ville, et cet attachement se manifeste ici par votre présence importante. Il a été un enseignant. Il a commencé comme instituteur. Il a entrepris ensuite des études qui l'ont amené à être professeur d'histoire-géographie au collège. Et parallèlement, il a été pendant quelques temps formateur au CRDP pour les techniques audiovisuelles. Il a été un enseignant très apprécié de ses élèves, très estimé de ses collègues, un enseignant très soucieux d'être concret, d'être rigoureux. Et c'est tout naturellement, comme enseignant en histoire, qu'il s'est intéressé de manière un peu plus approfondie à la construction de l'histoire, en participant à la réalisation d'une maîtrise sur Audincourt au XVIIIe siècle, sous la direction de Jean-Marc Debar. Et à partir de là, ayant acquis toutes les méthodes d'un historien rigoureux, minutieux, très soucieux d'accéder à des sources, première, l'industrie, l'industrialisation, l'industrie d'Audincourt, particulièrement dans le domaine du textile, qui s'est traduit par la publication d'un ouvrage de synthèse sur le passé industriel d'Audincourt, un ouvrage qui fera sans doute pendant très longtemps autorité. Alors s'intéressant à l'histoire, c'est tout naturellement que
Il a adhéré à la société d'émulation où il a été accueilli très chaleureusement. Il en faisait partie depuis une quinzaine d'années. Il est devenu membre du conseil d'administration et c'est vrai que à la société d'émulation, il a trouvé des contacts intéressants. Il a pu aussi accéder à des documents intéressants. Il a trouvé une communauté qui s'intéressait beaucoup au patrimoine et à l'histoire locale. Et je crois que dans cette société d'émulation, il s'est véritablement épanoui. Et je crois que ça, ça a été vraiment une joie particulière de ces dernières années. Et il était très, très heureux qu'un lieu industriel, qu'un lieu où les gens avaient travaillé, avaient peiné, soit réhabilité de cette manière et devienne un des éléments de la politique culturelle de la ville. Je crois que ça a été une immense satisfaction pour lui. Alors votre présence ici montre combien il était estimé, et je crois qu'il aurait été, malgré sa modestie, très, très heureux qu'après lui, son nom reste gravé dans une salle de cet espace Japy qu'il aimait tant. Je vous remercie. Merci, monsieur Vierdetrain. Monsieur Seigneur. Bien, mesdames et messieurs, mesdames, messieurs les élus, je serai assez bref. En premier lieu, je voudrais vous faire part des excuses de Pierre Ducoulou, qui est notre président, en l'occurrence, l'atelier de création vidéo de Montbéliard. Il est retenu au lit en raison d'une fracture de la cheville. Il m'a donc demandé de vous exprimer ses regrets de ne pouvoir assister à cette sympathique cérémonie. Alors, ce n'est naturellement pas sans émotion que j'évoquerai ici la mémoire de notre ami Daniel, disparu trop jeune, voici maintenant un an et demi, à la suite d'une longue et douloureuse maladie. J'aurais bien des anecdotes à vous conter à son propos, car c'était pour moi et pour beaucoup d'entre nous un ami de 35 ans. Alors, nous sommes connus en effet dans les années 1975-76, lors de la création de l'Association des cinéastes amateurs du Plais de Montbéliard, c'est vieux, hein. Et en s'étant reculé, Daniel, un artiste éclairé, était déjà formateur audiovisuel dans l'éducation nationale, monsieur le maire l'a rappelé tout de suite. Il fut donc l'un des tout premiers membres fondateurs de notre association, devenu en 2003 l'atelier de création vidéo de Montbéliard. Autant dire qu'il n'a jamais cessé de l'animer par ses qualités pédagogiques et sa gentillesse caractérisée jusqu'au premier coup dur de la maladie. Alors j'évoquais à l'instant des anecdotes, en voici une. Hein. En 1984, nous partions sur la Côte d'Azur pour encadrer un groupe d'adolescents acteurs d'un film dont ils avaient écrit le scénario. Alors c'était vraiment une aventure épique dont nous avions plaisir à nous rappeler souvent les péripéties. Et puis, Daniel aimait les voyages et il ne manquait jamais de nous présenter ses films, toujours très bien construits. Pour un certain nombre, en tout cas, ils sont dans notre vidéothèque et font référence auprès de nos adhérents. Plus près de nous, M. Gaccini l'a rappelé, il était l'auteur d'un film « Les anciens des Forges racontent », véritable recueil anthologique de l'industrie locale. 3 ans plus tôt, il avait réalisé également un documentaire sur le site dans lequel nous nous trouvons actuellement, en l'occurrence l'histoire de la filature. Érudit et passionné d'histoire, il aimait sa ville et savait la raconter mieux que personne par la publication d'articles parus dans de nombreux ouvrages. Mais là, je m'arrête, je m'adresse à M. Lyon-Delphin. Il a su beaucoup mieux que moi-même faire l'apologie des travaux considérables de Daniel. Je veux en mon nom, comme en celui de l'atelier de création vidéo, féliciter et remercier la municipalité d'Audincourt de l'initiative qu'elle a prise en donnant à cette salle le nom de Daniel Vieille. Nous en sommes fiers et je crois que cette démarche est bien l'expression de notre reconnaissance à l'égard de notre compagnon disparu. Enfin, je veux réitérer notre sympathie et notre soutien à Madame Vieille dans l'épreuve qui est toujours la sienne, sans oublier Gérard, son frère. Alors Daniel, si tu nous vois là-haut, sache que ton nom est inscrit dans le marbre. Il est inscrit dans nos cœurs, dans nos mémoires, et nous ne t'oublierons pas. Merci encore à la ville d'Audincourt pour l'hommage vibrant qu'elle manifeste en ce samedi 6 juin. Merci.
voudrais déjà tout remercier, remercier toutes les personnes présentes aujourd'hui qui sont associées à la famille. Votre présence nous fait chaud au cœur et témoigne en effet que mon frère avait gardé beaucoup, beaucoup d'amis et de connaissances sur cette ville. Je peux vous dire, je peux vous confirmer qu'il serait très fier et très content de savoir qu'une salle ici porte son nom, en particulier aux filatures, puisque je me souviens, lorsqu'il travaillait sur les filatures, parfois même, il en parlait un peu trop, c'était vraiment son souci, tout le temps les filatures, et je pense qu'il serait vraiment très content. Alors, merci à la municipalité pour cette initiative, et puis merci aussi aux intervenants, hein, tant pour ces autres passions, là, pour la société d'émulation, pour le club cinéma vidéaste, vraiment, merci des témoignages que vous avez fait part, ça me touche beaucoup. Et puis, je crois que votre présence fait très, énormément plaisir à moi, mais surtout à ma maman. Parce que si mon frère est content, je crois que ma maman est fière aussi d'avoir un fils qui, en partant d'ici, a laissé toutes ces personnes qui pensent encore à lui. Donc, merci à tous. Merci d'avoir dédié cette salle aussi à mon fils. Puis je voudrais profiter d'être ici pour remercier ma deuxième famille. Ma première famille, c'est mon fils là que j'adore. Ma deuxième famille, c'est mes neveux et mes nièces qui se sont dévoués, qui m'ont fait les visites, qui m'ont entouré mon fils jusqu'au dernier moment et puis qui continuent. Alors je voudrais encore leur dire un grand merci de ma part. Qu'ils le sachent tous. Merci. Madame Vieille, Gérard, mesdames et messieurs, en 97, j'avais connu Daniel à plusieurs reprises avec René Lot. Et René avait une affection incommensurable pour Daniel. C'est sur cette fierté de Daniel. Et Daniel s'était proposé à l'époque de travailler avec nous. Ça avait commencé avec la rénovation de la locomotive des Forges. Il était venu vers moi, puis il m'avait dit « Martial, il faut garder cette locomotive avec Charlie Rota, avec M. Gatchinet. » Et il me disait régulièrement « La ville d'Audincourt a un passé industriel extrêmement riche et malheureusement, elle ne l'exploite pas assez. » Et c'était une critique constructive. Et très gentiment, il nous avait dit « Si vous voulez, je peux vous aider. » Si vous en avez envie. Et progressivement, il s'est installé à côté de moi. Et c'était un conseil permanent, mais aussi un homme d'une gentillesse au-delà de la moyenne. Ce qui était saisissant chez lui, c'était sa rigueur intellectuelle. M. Viandelfin l'a dit tout à l'heure, c'était un historien à l'école de M. Debar. Et franchement, il ne voulait pas qu'on dise n'importe quoi. C'est-à-dire, il avait pris une chronique dans Haut d'Info, une chronique historique. Je vous assure qu'il y avait certainement un succès considérable. Vu le nombre de lettres qui nous revenaient, c'était certainement la chronique qui faisait le plus plaisir aux Audincourtois, qui retrouvait l'Audincourt d'antan et qui mettait des lignes sur une maison, sur comment... un certain aménagement sur des personnes qui ont marqué la ville. Et la dernière chose que je voudrais dire, c'est les qualités humaines de Daniel. Parce que tout ce savoir-faire, il pourrait le faire avec sa rigueur, mais il y avait la personne qui était d'une discrétion absolue, qui n'avait, comme on dit, pas la grosse tête, et qui venait vers vous, toujours en conseil, et qui... n'avait pas peur de nous adresser des critiques. Mais aussi, quand il a su comment on voulait rénover la friche Japy et avoir fait ce qu'on en avait fait, il a dit « je suis fier pour ma ville ». Et vous avez raison, tous, vous êtes intervenus en disant un amour de sa ville. Il aimait Audincourt, profondément, il faisait corps avec sa ville. Et la friche Japy, pour lui, sa rénovation, la filature, cette cité de l'enfant, ce parc, pour lui, était une grande réussite. Et c'est tout naturellement, quand on a eu ces deux belles salles, on a décidé d'en appeler une Daniel Vieille.
en hommage à tout ce qu'il a fait pour sa ville, et puis à ses ouvrages qu'il a écrits sur sa ville. Et il a été d'une aide précieuse, et puis d'une certaine façon, il a promotionné la ville dans la société d'émulation, dans le pays de Montbéliard. On lui doit beaucoup. On lui doit beaucoup. Et je dois vous dire, Madame Vieille, on le regrette beaucoup. Il nous manque énormément. Ben, vous avez vu, on ne l'a pas remplacé pour cette chronique historique d'En haut d'info, qui nous manque beaucoup. Et c'est pour cela que je voudrais vous dire combien nous sommes heureux aujourd'hui d'appeler cette salle Daniel Vieille. Oui, il va être heureux là. Parce que chaque fois que je lui en parlais, qu'il en faisait un peu trop, il me disait « c'est mes loisirs ». Voilà. C'est mes loisirs. Et voilà, c'est un homme que nous aimions beaucoup. Il reste dans nos cœurs, il reste encore avec nous. Sa présence, vous avez vu que dans Odafo, on publie encore de ses chroniques qu'il avait sorties à l'époque, qu'il n'avait encore pas publiées, par souci du travail bien fait. Voilà. On est vraiment très heureux de nous avoir tous ensemble, et puis d'avoir pensé à lui pendant une heure, et vous dire combien a fait toutes ces belles choses. Maman, prends la plaque. Allez, voilà. Et...